la peau. Va bleu, je me suis dit, le trou du bord, une belle veille, je m'arrivais au bout, dans le regard, le veille, comme un peu. Aïe, 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 Le gagne de vos No! 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 Ale kane feyashkino. Ve mahalot kedoshim tehorim ve giborim. Il n'y a pas, à proprement parler, de faits divers à Jérusalem. Pas de suicides ou de crimes passionnels. Mais on a déjà pris l'habitude de l'engrenage, du cycle, du terrorisme et de la répression entre juifs et arabes. Le terrorisme, disent les Israéliens, fait moins de victimes que les accidents de la circulation. Et puis, que voulez-vous, c'est la guerre. אש! כדור שנטען! אש! כדור שלישית! אן! אש! C'est le matin des rameaux que le peuple de Jérusalem fut pris d'inquiétude. Il avait entendu un coup sourd et mystérieux au moment où Jésus se trouvait encore en dehors de la ville, sur le mont des Oliviers. Aujourd'hui, c'est le fait divers classique. Une bombe qui vient d'éclater à l'université, nous sommes arrivés quelques minutes après l'explosion. Il y en avait trois que j'ai vus. Il y en avait un qui avait complètement le pied qui était arraché. Puis un autre un peu sur le bras, puis sur le visage. Alors les gens avec des éclats de verre, on les comptait pas. Et puis surtout, il y avait des gens qui avaient beaucoup de gens qui avaient eu un très grand choc nerveux, qui avaient beaucoup de mal à se tenir en place, qui étaient très très commotionnés. En tout cas, il y a eu une aide qui était rapide parce que j'ai vu deux étudiants qui étaient, des secouristes. Alors ils ont tout de suite passé des garrots, puis ils ont pris avant que l'ambulance ne vienne, ils ont pris tout de suite les gars dans des voitures probablement vers le. Et puis les ambulances sont venues très rapidement. On pouvait s'attendre à quelque chose comme ça. Tout le monde le prévoyait ici à l'université. Tout le monde s'attendait parce que l'entrée est libre, tout le monde fait rentrer les sacs librement. Bon, il y a une certaine insouciance quand même de la part du public. Si je reviens au cas d'El Fattah, qui en fait ils font ça pour faire sortir le plus de monde possible d'Israël, pour qu'il y ait le moins d'étudiants qui viennent et tout ça. Moi je crois que c'est plutôt le cas contraire parce que personnellement j'étais à l'enterrement des deux étudiants du Supersol de la semaine dernière. Moi je crois que ces gens-là ils se sentent encore beaucoup plus liés à Israël, beaucoup plus liés. Et je crois que finalement c'est la réaction contraire qui se passe. C'est que plus il y a des cas comme ça et plus on se sent lié et plus on reste là et plus de gens viennent s'installer ici finalement. Je crois que tu disais que tu avais entendu dire qu'un arabe avait été un arabe s'est enfui. On a attrapé un arabe qui était en train de justement de il demande de s'éloigner un peu du parce que comme ça arrive très souvent qu'il y ait une bombe et qu'il y ait une autre à côté. Le matin des rameaux, comme certains disaient du temple qu'il était orné de belles pierres, Jésus dit : Jérusalem sera détruite,
de tout ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pierre sur pierre. Oui, ce sont les restes de quartier juif. Là-bas, c'est le mur. Oui, c'est le mur des lamentations, ce fameux mur, le mur des pleurs. Le mur vers lequel les Juifs ont prié pendant des milliers d'années. En fait, le mur est seulement la barrière de la colline où vous voyez les deux mosquées, celle d'Omar et celle d'Aqsa. C'est cette montagne qui est sacrée. Où, d'après la loi, il est interdit de monter de nos jours. Tu vois, à toutes les heures de la journée, à toutes les heures de la nuit, il y a toujours des Juifs qui descendent vers le Kotel pour prier. Vers le mur. Mais c'est toujours en pleine nuit, en plein jour, tout le temps, sans arrêt. Parfois il y en a des milliers, parfois il y en a 5, 6, mais il y a toujours quelqu'un, il n'est jamais isolé. Il y a aussi quelques militaires là-bas. Ouais, question de sécurité. Si dans les supermarchés on ne peut pas aller en paix, le Kotel c'est une fameuse cible. Shalom, tu peux nous dire qui est monsieur? Et en fait, ici tu as un exemple de... Ouais. De la victime de la propagande d'El Fattah. C'est lorsque le gouvernement est revenu dans la vieille ville, les Arabes vivaient dans des conditions vraiment inhumaines. Certaines maisons n'avaient pas de... D'ailleurs, là, aucune, je crois pas qu'il y ait une maison dans la vieille ville qui a de l'eau courante. Ils vivaient tous sur des puits. Il n'y avait pas d'organisation pour les poubelles, rien du tout. Alors immédiatement, ils sont mis en contact. Les chefs musulmans sont mis en contact avec le gouvernement pour demander s'il y a la possibilité de faire... passer ces Arabes en dehors des murailles et en même temps de redonner le quartier juif, et de l'autre côté le gouvernement le payera des maisons en dehors des murailles. Alors c'est lui qui est en fait le principal sur cette opération. Les Arabes viennent chez lui et il achète ces maisons à des prix très élevés. Il leur fait bâtir des maisons en dehors des murailles. Cependant, les organisations El Fatah ont décidé que c'était en fait une organisation de vidange, quoi, afin de vider les Arabes du quartier. Et alors, la dernière semaine, il a reçu deux grenades dans son bureau. Comment ça? Il dit que s'il n'avait pas détruit certaines maisons, nous aurions encore pu voir encore maintenant des exemples de maisons où les familles habitaient avec les enfants et avec les ânes dans les mêmes pièces. Une dernière question, Shalom. Les Juifs sont définitivement Jérusalem. Ayoudi, même pas... Les Olam, Jérusalem. Mikan. Non, Ayoudi. Ayoudi, Mikan, Gami, Migarshim, Otam, Mikan. Libotenu kan gam kishenachnu loka. C'est une question assez étrange. Si je lui ai traduit, c'est seulement afin qu'il comprenne ce que tu as dit. Depuis 2000 ans, nous crions Jérusalem et Tzion. Alors lui, il a ajouté que même si on nous mettrait à la porte de Jérusalem, nous serons toujours ici. Car le cœur n'est pas là. Ba'olam kulo, bizman ha'shemnes ha'tzril chavenet libo lekan. Toutes nos prières, c'est une loi dans la religion juive. C'est au moment où un juif, qu'il soit en Amérique, en Asie ou même dans les îles Hawaï, au moment où il prie, il doit tourner son cœur vers Jérusalem. Abu Nabil! Ta'al! Asma! Qui est-ce? Mais son nom c'est Abu Youssouf. C'est le contremaître de tous les Arabes qui travaillent ici. Il est juif, lui. Ouais, lui il est juif. C'est originaire des pays arabes. Bedak Hajar Khami! Que dit-il?
Salam toshni alek. Et je comprends pas. Yalla Hassan. Il leur parle arabe. Oui, il parle arabe, mais c'est un fait que Khalles, autant qu'il crie, c'est jamais des ordres très rudes. Lorsqu'il crie, il travaille bien. Il est vraiment un très bon copain avec tous les ouvriers ici. L'entente entre le contremaître juif et les ouvriers arabes est bonne, oui. C'est avec celui-là, certainement. Il y a pourtant une petite grève ou quelque chose comme ça il y a quelque temps. Il y a une grève dans les magasins. Ah bon? Pas dans les ouvriers de bâtiment. Ils ont trop de travail pour faire la grève. يا الله يا الله انت هاك بتخلص الحك Le matin des rameaux, quand il fut proche à la vue de la ville, Jésus pleura sur elle en disant: Des jours vont fondre sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. طبعا معلم قاعد يسوي لها صوره طبعا روح وش انداني شو حصل هون بحياتك يا حاج والله انا شو هو كان بس مزبوط لا يعني شو حصل امبارح كيف اجوا كيف سووا انا ما حضرتش احكي لك واحد انا بحكي لك انا بس هاي احكي لنا انت يا تفضل هي الساعه يعني الساعه 6:15 اجوا الساعه 7:30 الانفجار اول شيء Hier à 6:15, les soldats israéliens sont venus ici et ils ont mis des explosifs et la maison a été sautée. Oui. Pour quelle raison? La anou sabab. يعني ما اعتقلوا البنات وابوهم. يعني شو بعتقدوا ليش السبب اللي قاموا من اجله؟ شو هذا الصاحبين الدار كان يسوي؟ ولا شيء هيك بس انا اعتقدهم يعني بعتقدوا انه حطوا يعني متفجرات في السوبر سود. Oui, il suffit de dire un mot contre l'homme. C'est suffisant pour faire sauter une maison. Oui. C'est peut-être il est innocent, mais ça suffit un mot pour dire contre lui, pour faire sauter la maison. Contre les autorités. Oui, c'est les autorités israéliennes qui pensent que l'homme a participé dans des actes terroristes contre les lieux civils en Israël. Chez les musulmans, c'est très difficile d'évacuer les femmes d'une maison. Et les femmes, vous voyez, les femmes qui ont été dedans les maisons, elles sont maintenant en prison avec l'homme qui est chargé de ses actes. En prison? En prison, l'homme. Son frère, oui, il est en Amérique maintenant. Parce que le propriétaire de cette maison est deux frères. Un en Amérique et l'autre maintenant, il est en prison. Le matin des rameaux, quand il fut arrivé au sommet de la colline, sur le mont des Oliviers, il contempla la ville. Puis, il descendit les flancs du coteau, là où se trouvaient les tombes des prophètes. Man,
ici le cimetière juif du Mont des Oliviers. Oui, toute la montagne est un énorme cimetière. Depuis des générations et des générations, les juifs ont enterré leur mort ici. Depuis le fils du roi David jusqu'au prophète Zacharie, et bien avant même. Et le cimetière se trouvait en zone jordanienne. Oui, jusqu'à la guerre, les juifs ne pouvaient pas atteindre ça. C'est en zone jordanienne. Beaucoup de tombes ont été détruites, saccagées, profanées. Disons qu'il y a peu de tombes qui ne l'ont pas été. En fait, les pierres tombales, on en a retrouvé jusqu'à à des kilomètres d'ici. Ils ont servi à bâtir des urinoirs au camp militaire jordanien, comme ils ont servi à comme protection contre éventuelles attaques israéliennes, comme ils ont servi à faire des ponts ou même à faire des routes. Pour quelle raison est-ce que les juifs du monde entier veulent se faire enterrer ici? C'est en fait le chemin que doit prendre le Messie, devancé par Élie le prophète. Il doit rentrer par la porte d'or que l'on voit sur la muraille. Et qui est murée. Et qui est murée pour le moment. Elle est murée, elle s'ouvrira seulement au moment où le Messie entrera. Et à ce moment-là, les pierres se lèveront? À ce moment-là, d'après la tradition, les morts doivent se lever. Dans le monde entier. Seulement ici, c'est le plus près, donc ils se lèveront le premier. C'est aussi d'ailleurs... les Arabes ont muré cette porte. Ils ont muré cette porte, ils ont eu la pensée très, très claire en disant que le Messie était devancé par Élie. Élie est un Cohen. Donc un Cohen, qui est les prêtres juifs, ne peuvent pas rentrer dans des cimetières. Donc installons-nous notre cimetière devant la porte dorée. Donc Élie ne pourra pas y entrer, donc le Messie ne viendra pas. C'est ce qui explique la raison pour laquelle il y a un cimetière musulman actuellement. Exactement. Devant la porte dorée par laquelle le Messie doit être. Exactement. Il y a encore une deuxième histoire, et je crois que celle-là est plus vraie peut-être. C'est que les musulmans se sont dit, si le Messie doit venir et que tous les morts se lèveront, alors autant, si c'est déjà comme ça, alors nous nous lèverons les premiers. Alors ils ont mis leur cimetière le plus près de la porte. Les Juifs ont attendu longtemps pour revenir ici, non? 20 ans. Sinon, depuis des milliers d'années, les Juifs ont enterré leur mort ici. Maintenant, nous avons attendu 20 ans, nous y sommes, mais nous ne bougerons plus. Aujourd'hui, les Arabes disent aussi l'an prochain à Jérusalem. Que les Arabes crient pendant 2500 ans l'an prochain à Jérusalem, alors on pourra discuter. Jésus entra dans la ville par la porte dorée. C'est pour cela qu'on appelle le jour des rameaux, le jour de la glorieuse entrée. Aujourd'hui, près de la porte dorée, les musulmans ont enterré des victimes de la guerre des six jours. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Oui, ici à côté se trouve la porte dorée. C'est la porte par laquelle Jésus a entré au jour des rameaux sur son âne, suivi par les disciples et un cortège des fidèles. Ici la porte dorée a été muré par les Turcs en 1542 pour empêcher les chrétiens de suivre leur cérémonie par cette porte. Parce qu'il y avait des bagarres entre les musulmans et les chrétiens à cette époque-là, lorsqu'il y avait des processions du jour des rameaux. Sur chaque pierre tombale, il y a une inscription, des vers coraniques. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués par la guerre à défendre leur patrie et leur religion sont morts. Leur sang est toujours inoubliable pour nous et leur nom est toujours conservé dans notre mémoire. Dans la ville, à l'approche de Jésus, la population était en émoi. Aujourd'hui, les médecins arabes s'agitent. Et les femmes arabes, elles aussi.
pourquoi vous rassemblez-vous dans une église? Why in a church? One thing, it is a place where we feel in communion with the people who are our people who are in jail. This was one way to we feel in solidarity with them. Vous vous sentez en solidarité avec, les gens de votre peuple qui sont en prison. Les gens de votre peuple, c'est-à-dire les maris, il y en a qui ont leur mari, leur père, les gens de leur famille. Les gens de leur famille, et il y a beaucoup d'autres que nous connaissons de que nous savons qu'ils souffrent, leur famille souffre. Ils n'ont personne pour les supporter aussi. Et il n'y a pas d'autre moyen de nous exprimer. Vous n'avez pas d'autre moyen de vous exprimer que de vous rassembler, vous autres femmes, dans cette église. Alors vous êtes réunis ici. Depuis hier matin, depuis hier 9h, nous avons décidé de rester ici pendant 2 jours en signe de protestation. Et vous êtes l'ensemble des médecins arabes de Jérusalem? Nous sommes l'ensemble des médecins arabes de Jérusalem. C'est l'unanimité? C'est l'unanimité, absolue. C'est une grève que vous faites ici, vous avez passé la nuit je crois? Nous avons passé la nuit, oui, c'est une grève de protestation contre les circonstances actuelles, de la situation actuelle qui ne nous plaît pas. Et puis nous avons assuré la permanence dans les autres hôpitaux en cas de besoin pour les urgences. Quand vous avez dit protestation contre la situation, vous avez hésité, j'ai cru que vous alliez dire protestation contre l'occupation. Si, parce que l'occupation avec tous ses méfaits, depuis là, et nous comme groupe, comme classe de... Les Palestiniens ici, comme une classe d'individus, qui est la classe éclairée et la classe consciente de ses devoirs. Alors nous sommes réunis ici pour en signe de protestation. Mais c'est le seul moyen comme pacifique que nous pouvons adopter ici. Je crois que par votre grève, docteur, vous protestez également contre certaines choses bien précises qui sont arrivées ces jours-ci. Oui, en effet, depuis l'occupation, vous savez, le gouvernement jordanien, le régime jordanien, qui avait la responsabilité des soins des gens et de la classe nécessiteuse ici, alors cet hôpital où nous sommes ici, c'est une vieillerie, c'est un hôpital qui était un hospice, c'est loué de l'association autrichienne, c'est une association autrichienne qui est le propriétaire de cet hôpital. Alors le gouvernement jordanien, pour avoir les possibilités de bien soigner les gens, il a bâti un hôpital modèle au quartier Sheikh Jarrah. C'est un très bel hôpital, c'était presque sur le point d'être fini. Alors à l'occupation, la police israélienne a trouvé que c'est un endroit très convenable, alors ils en ont fait un quartier général pour la police israélienne. C'est depuis longtemps qu'on sent qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit protester, qu'on doit faire savoir nos sentiments. Et c'était seulement ce fait de l'arrestation d'un de nos collègues qui a été inculpé de quelques manifestations qu'on appelle ici terroristes et qu'on est sûr, nous, qu'il est complètement innocent de ces faits. C'est une excuse seulement pour l'arrêter. Il y a d'autres arrestations d'ailleurs ces jours-ci dans la population parmi les autres. Il y a eu plusieurs autres arrestations, toujours avec cette même accusation d'appartenir à des organisations terroristes. Pour nous, certainement, ce n'est pas des organisations terroristes, ce sont peut-être des nationalistes qui font savoir leurs opinions, mais ils ne prennent pas part à des actions criminelles. Votre collègue ici, le docteur, a bien dit tout à l'heure, nous, Palestiniens. C'est un mot que j'ai retenu, Palestiniens. Oui. Ça veut dire quelque chose, ça a une signification. Oui, on est de la Jordanie, certainement, mais on était des Palestiniens, on se rend toujours qu'on est des Palestiniens. Certainement, ici à Jérusalem, la plupart des habitants arabes, ce sont des Palestiniens.
Mais ça ne fait pas grande différence. On est des Arabes avant tout, des Jordaniens et des Palestiniens en même temps. Yes. You are American, I think. I'm an American newsman on vacation. And you, why you have this kind of clothes? Souvenir. All right, let's go there. Please go there. Well, I'm an American newsman, the same as these gentlemen. Just because I put this on doesn't disqualify me. Ce n'est pas parce que je porte ce vêtement-là que je suis suspect, répond au policier qui le fait circuler, ce journaliste américain qui s'est costumé en arabe afin de passer inaperçu. Chaque semaine, dans un restaurant de Jérusalem, le patron invite 12 invalides ou grands blessés au repas du soir. Vous venez ici chaque jeudi pour manger ensemble? Oui, tous les jeudis, depuis la guerre de six jours. Chaque jeudi, nous sommes là. Tous ceux qui peuvent sortir de l'hôpital, parce qu'il y a plusieurs copains qui sont encore dans des états où ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital. Alors, on essaie de leur apporter des steaks ou des choses comme ça, enfin, pour qu'ils puissent eux aussi goûter un peu de... Oui. Et toi, ça va, oui? Oui, enfin, ça commence à aller mieux. Je t'ai vu il y a 15 jours, tu étais encore comme le camarade ici. Oui. Puis ça va mieux maintenant? Oui, ça va beaucoup mieux. J'ai encore quelques mois à passer à l'hôpital, mais enfin, je suis un peu plus... plus heureux, quoi. Enfin, plus optimiste. Tu te souviens quand tu as été blessé, c'était comment? Tu peux raconter? Ah, ça, je pourrais bien raconter, mais je ne sais pas si... C'était dans une patrouille. Nous avons été pris en surprise dans une embûche par des gars du Fatah, ce qui était vraiment, c'était un acte vraiment lâche de leur part. Ils étaient sur un toit, ils avaient jeté une grenade, enfin ils l'avaient reçu, quoi, dans le pied.
et c'était sauvé. Enfin, on les a rattrapés après quelques jours. Quoi. Lorsque tu seras guéri, tu vas reprendre l'uniforme ou bien comment est-ce que ça va se passer? J'aurais bien aimé, mais je ne crois pas. Je crois que je serais un peu... je ne pourrais pas. Quoi. J'aurais peut-être quelques centimètres de moins. Et alors là, ça me serait vraiment impossible de reprendre mon uniforme. Vous sentez bien entre vous, comme ça? Oui, bien sûr. Nous essayons de nous entraider moralement et physiquement aussi, parce que, par exemple, ce jeune-là qui est là à côté, il a besoin de quelqu'un pour le pousser. Alors là, ce quelqu'un est aussi malade que lui. Et, enfin, s'il peut marcher, alors il le pousse, quoi. C'est un certain... Ouais, des petits actes pareils. Ça encourage, quoi. Vous avez quoi, 18, 19, 20 ans La plupart, on a les 20 ans, 19 ans. Et vous êtes ce qu'on appelle chez nous des anciens combattants. Malheureusement, oui. Nilo qui bat le théo, frère. Vous parlez comme si vous vous attendiez à une aggravation de ce genre de choses, de ce terrorisme. Ben, c'est ce que tout le monde attend. La seule réaction qu'ont eu les gens, surtout à l'université hier, c'était une réaction de dégoût, parce que tout le monde savait que cette explosion aurait lieu à cet endroit-là. Et j'étais assis avec Momi en face de la cafétéria, et quand on a vu les vitres voler, on s'est levé en hurlant, parce que tout le monde savait que c'était à cet endroit-là qu'il y aurait une bombe. Tu étais là, toi? Comment c'est passé? On était assis, comme il vient de dire, mais on s'attendait. La première réaction a été de dire « ça y est, c'est arrivé, c'est tout ». Pourquoi vous attendiez? Pourquoi vous attendiez? Parce qu'on prévoyait que c'était un endroit névralgique, comme c'était le Supersol et le Mahane Yehuda, c'était la même chose. Mais ils savent que c'est un endroit où il y a une concentration d'étudiants. Heureusement qu'il n'y a pas eu dans une salle de conférence. Mais il fallait s'attendre là-bas. De toutes les façons, la réaction d'Israéliens a été très, très nette. 2 heures après, la cafétéria a été ouverte. Elle était aussi pleine qu'avant. Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, tout
tout homme, tout étudiant arabe est nécessairement du côté arabe. Est-ce qu'il n'y a pas de... Le sentiment d'appartenir à une identité arabe, il l'a, et ça c'est sûr. Il y a beaucoup qui ont travaillé avec nous. Quelques jours avant la guerre, ils nous disaient, je crois que ça va être votre fin. Mais ils persistent, ils y restent. Ça non, veut pas dire que... Dans ce sens, il y a une double appartenance. Même si c'est pas une double, c'est une situation très... Absolument, ils pourront jamais se sentir israéliens, c'est impossible. Mais dans ce cas-là, ils sont étudiants et ça ne peut que les toucher. Ah. Ils auraient pu aller s'asseoir à cette table. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas d'accord avec les saboteurs, eh bien... Une sympathie, c'est tout. Ils auraient sympathisé avec eux. Et on comprend c'est en tant qu'arabe, c'est compréhensible, c'est tout. Est-ce que vous avez la sensation que dans la population arabe de Jérusalem, il y a le sentiment d'être en pays occupé? Je ne sais pas si on était à leur place, je pense que certainement on aurait cette sensation. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont c'est... Moi, je pensais certainement. Bien sûr qu'ils l'ont. En tout cas, ceux qui viennent nous vendre leurs marchandises sont très heureux de nous trouver. Et bon, on a eu assez de commerçants juifs ailleurs dans le monde, dans notre histoire, pour savoir ce que c'est. Non, mais allez en vieille ville et regardez l'arabe, il vous voit en tant que type qui sont là provisoirement. Et s'il y a eu guerre, c'est qu'elle a été imposée, c'est tout. C'est mon avis et je crois que c'est l'avis de tout le monde, de tous les Israéliens. Et cette guerre, on l'a gagnée. Il fallait qu'il la gagne, non? Et heureusement qu'on l'a gagnée, c'est tout. Parce que si vous ne l'aviez pas gagné. Peut-être. C'est ça, vous ne seriez pas là en train de boire avec nous. Nous non plus d'ailleurs. Comme a dit M. Katarivas du ministère des Affaires étrangères, si on avait perdu cette guerre, alors il y aurait eu beaucoup de gens pour nous pleurer. Alors on préfère que ce soit comme ça. Bien sûr, et les Français, les orphelinats français seraient pleins. Ils nous ont même proposé des bateaux et des avions pour ramener les gosses là-bas. On aurait pu ranimer en Europe occidentale le secours juif. Bien sûr, toutes les œuvres là-bas. Charitable, philanthropique. C'est ça, à côté de chaque monoprix, on aurait dit pour les œuvres juives, pour les œuvres juives. Est-ce qu'il t'arrive de discuter avec un arabe de la situation ou bien est-ce que tu as renoncé? De la situation, non, à vrai dire, j'ai discuté qu'avec des commerçants arabes, mais avec des discuter de la situation politique, non, il ne m'est jamais arrivé de discuter. Mais de la situation tout court, quoi, de la situation au jour le jour dans la ville, comme oui, ça. Oui, j'ai discuté avec des Arabes en vieille ville, mais... Comment ça se passe? Je leur demandais alors comment ça se passe sous l'occupation israélienne. Il me dit, ma foi, le commerce... L'occupation? Sous le... l'occupation, disons, sous le régime israélien, sous le... C'est un lapsus. Vous êtes prêts à être coupé? Mais... La libération. Mais ils disent bien entendu que le commerce marche bien plus mal, parce qu'il y a moins de touristes. Et que pour eux, bien entendu, ils ne voient que la question, le côté financier de l'affaire. Mais je pense que s'ils voyaient du point de vue politique, je ne pense pas qu'ils soient lésés, parce qu'ils continuent à vivre de la même manière et qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes. Le jour des rameaux, Jésus chassa les marchands du temple comme il l'avait fait sans succès auparavant. Aujourd'hui, les Arabes écoutent la radio du Caire, qui diffuse une musique qui se souvient moins de la défaite passée que des victoires à venir. من أنباء هذه النشرة قدرات المتبرع
On attend les événements et on lit librement dans les rues les dernières nouvelles concernant la préparation de la guerre ou la pendaison des Juifs à Bagdad. Salam alaikum. Vous êtes monsieur le patron du souvenir bazar 8e station. De la 8e station de la Passion du Christ. Oui. Vous m'avez fait une petite note de frais où vous avez, il était indiqué en imprimé Jérusalem, Jordanie. Vous avez remplacé Jordanie par Israël. Oui, exactement. Oui. C'était le même reçu que j'avais durant la Jordanie. Alors, on n'a rien changé, juste le mot Israël pour le moment. Vous n'avez pas fait de nouveaux imprimés, non ? Non, pas encore. On ne sait jamais ce qui peut arriver ? Exactement. En tant que commerçant arabe ici, à Jérusalem, le changement, disons, d'autorité, de gouvernement, vous a quand même posé certains problèmes, j'imagine. Oui, pour tout le monde, oui. Un changement tel comme ça, si c'était pour un Français ou bien pour un Belge, ça fait le changement toujours. Parce que le commerce pour des gens a amélioré peut-être, pour des autres gens, ça a affecté mal. En somme, vous n'auriez pas à vous plaindre. Rien de soi. Bien sûr, c'est difficile à dire ça parce que ça dépend sur beaucoup de choses. On peut dire qu'on est plus fier sous un régime arabe. Vous, comme Belge, peut-être ça ne sera pas aussi facile pour vous de vivre sous un régime allemand que de vivre sous un régime belge. C'est que toujours vous préférez votre régime vous-même. De même que ça soit un peu un régime plus difficile, moins bon peut-être, mais vous êtes plus fier avec votre régime. Disons les choses franchement, vous avez le sentiment d'être en pays occupé. Non, c'est très difficile. On sent que ça s'est occupé jusqu'à maintenant. Tout le monde le sent. On espère bien que pour Jérusalem en spécial, il y aura une solution de paix où il y aura, ça sera bien ouvert pour tout le monde arabe, le monde européen, les gens chrétiens, juifs, musulmans, pour tout le monde. Oui, parce que de toute façon, est-ce que ce n'était pas une mauvaise solution, Jérusalem divisée en deux ? Je pense que Jérusalem divisée, c'était quelque chose de terrible. Ça a dû être ouvert longtemps après 1948, mais ce n'était pas possible. Maintenant que c'est ouvert, ça doit vraiment rester ouvert comme ça. Mais sous un régime différent peut-être. Un régime où ça appartient absolument pour tout le monde, pas pour Israéliens ou bien pour les Arabes en spécial, que ça appartient pour tout le monde ensemble. Une sorte de... Genre d'international pour dire. Oui, une sorte de fédération entre Arabes et Israéliens, ça, par exemple. On accepte bien ça. Parce qu'en somme, d'une certaine façon, bibliquement, les Arabes et les Juifs sont frères. Exactement. Ils sont plus amis qu'avant 1948. Je comprends bien que papa lui-même avait du travail avec des gens juifs et ça fonctionnait très bien. Parce qu'enfin ici, vous autres Palestiniens, vous avez connu l'occupation turque, anglaise, jordanienne et israélienne. Oui, au fond, vous avez toujours été occupé. Exactement. Maintenant, on espère que ça sera plus libre que n'importe quel autre de tous les temps passés. Thank you.
Le Christ est passé ici il y a pas mal de temps déjà, devant votre boutique. Oui. Et il essayait d'apporter la paix aux hommes. Mais on espère que la paix vient. C'est pas encore tout à fait le moment, enfin... On ne sait jamais. Ça doit arriver un miracle pour une paix maintenant. C'est plus compliqué qu'avant 1967. En 1967, c'était déjà compliqué. Maintenant, c'est devenu, je pense, plus compliqué qu'avant. Est-ce que, entre nous, vous n'avez pas l'impression qu'on va plutôt vers une nouvelle guerre? Si ça continue comme ça, oui. Si ça continue comme ça. Tu vois, alors, le seul fait de poser le pied dans une des ruelles de Jérusalem, ça donne toujours un choc. Tu pourrais, je ne sais pas, tendre la main, parler avec des hommes comme ceux qui se trouvent derrière toi. Si je peux me permettre de te raconter, j'étais, il y a deux jours, j'étais dans un village arabe. Je suis parti en excursion pour une demi-journée et j'ai eu quelques rapports avec... on a parlé à quelques types, on était deux ou trois Israéliens, et on a parlé avec des Arabes. On s'est installé chez eux à la maison. Et une fois de plus, j'ai remarqué que le problème palestinien, le problème de paix, est en fait un problème dont la plupart des gens ignorent le sens. Oui, parce que tu sais que les journalistes occidentaux parlent volontiers d'une coexistence, de former un seul État avec les Palestiniens et les Juifs. Une construction théorique, c'est très à la mode actuellement. Oui, c'est surtout très théorique, tu vois. Tu pourrais pas demander à... tu pourrais pas demander à une personne qui est sortie trois fois, en 48, en 56 et en 67, combattre des hommes qui se sont toujours levés contre lui pour le tuer. Tu ne peux pas lui demander d'un coup, voilà, à partir de demain, nous signons un traité et puis tout est terminé. C'est terminé, oublions la couleur kaki, oublions les armes, prenons toutes les armes, fondons-les, faisons des charrues, etc., comme les prophètes l'ont voulu. Seulement, il y a une chose qui doit être très claire, c'est que la paix un jour doit venir, non seulement ici, mais dans tout le monde. Que beaucoup de juifs y croient, ils mettent sous une enveloppe, sous un petit morceau de papier, un vœu. Et je remarque qu'il y a un papier ici avec un vœu écrit en arabe. Tu veux le montrer là? Oui, c'est bien. Ouais, est-ce qu'on peut concevoir qu'un arabe mette un papier avec un vœu sur le mur de l'amortissement? J'ai aucune idée, c'est peut-être un juif qui vient d'un pays arabe et qui ne sait même pas encore écrire l'hébreu. J'ai aucune idée comment ce papier est arrivé là-bas. Ouais, il y a des
Jamais un arabe ne pourra se sentir israélien tant qu'il y aura des pays arabes autour d'Israël, à moins de scier Israël et de le faire dériver vers la Crète, je ne vois pas la solution. Ces arabes qu'on voit dans la vieille ville ne pourraient jamais se sentir israéliens, c'est impossible. Si j'étais arabe, je ne me sentirais jamais israélien. Non, c'est impossible. Est-ce que vous pourriez vous sentir allemand? Les Israéliens, les Arabes qui habitent ici depuis 20 ans, ils ne se sentent pas israéliens non plus. Et pourtant, ils habitent ici 20 ans et ils sont nés ici. Mais ils se sont sentis anglais, turcs, à une certaine époque. Il y a leur père, leur grand-père. Ils ont été forcés de l'être, mais il n'y avait pas d'État. Mais qu'est-ce qu'ils se sentent finalement, ces Arabes de Jérusalem? Ils sont quoi? Ils se sentent quoi finalement? Ils sont sur une corde raide, justement. Quand la corde balance d'un côté, ils tombent d'un côté. Quand elle balance de l'autre, ils tombent de l'autre, tout simplement. Pour l'instant, ils n'ont pas de choix. Ils sont palestiniens, si vous préférez. On ne veut pas dire qu'ils aient une nationalité fixe, puisqu'ils ne reconnaissent pas leur nationalité, ni israélienne. Ils n'ont pas non plus d'autre nationalité, puisqu'ils sont sur le territoire israélien. Il y a un problème de... Puisque les trois quarts des Arabes de Hussein se disent palestiniens. Quand je discute avec vous... Au lieu de se dire jordanien, alors je ne vois pas pourquoi ils se disent israéliens. Quand je discute avec vous ce soir, comme avec toi, Gabi, avec toi, Sylvain... Avec toi, je connais pas ton nom, avec toi, Mordecai. Peut-être pas avec vous, parce que vous n'aimez pas beaucoup les Arabes. Ah, c'est pas vrai. J'ai pas la sensation qu'il y a une haine, qu'il y a une inimitié. J'ai pas cette impression. Il fallait venir avant la guerre pour savoir qu'il n'y avait pas de haine. Ici, avant la guerre, tout le monde travaillait pour la guerre, creusait des tranchées ou allait sur la frontière. Mais personnellement, je n'ai jamais entendu de cri de haine vis-à-vis des Arabes. Il suffisait d'écouter la radio israélienne et la radio arabe pour savoir quelle était la différence. Ouais. Ici, peut-être la haine commence à naître à cause du terrorisme. Mais l'arabe, on ne le voyait pas. Maintenant, on commence à le voir et il commence à se faire sentir. On ne le voyait pas. C'est pas méchant, ça, de dire ça. Non, parce que pour nous, c'était... Un arabe, c'était... Les Arabes qu'on avait en Israël, pour nous, c'était pas des Arabes, c'était... On les voulait israéliens, on les voyait israéliens. Maintenant qu'on peut voir des gens qui nous sont hostiles et qui le déclarent. J'ai participé à la guerre des six jours il y a un an et demi exactement. J'ai pas voulu cette guerre. On m'a appelé et puis j'y étais. T'étais soldat comme tout le monde. Oui, je voudrais pas faire du baratin, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Le deuxième jour de la guerre. Et... On est arrivé juste après Oum El Katef, c'est un endroit que vous pouvez trouver sur la carte. Juste après Oum El Katef, on est arrivé à un endroit, il fallait qu'on s'arrête. C'est où ça, Oum El Katef? C'est dans le Sinaï. Il y avait un camion en flamme, et à côté de ce camion en flamme, il y avait un vieil arabe, certainement soudanais, parce qu'il était très noir de peau. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait dans ses yeux quelque chose d'extraordinaire. Les yeux étaient exorbités. C'était... On voyait de la terreur dans ses yeux. Il était complètement affolé. Et il ne pouvait pas parler. On essayait de lui parler. Il y avait des camarades moi qui parlaient couramment l'arabe. Qui ont essayé de lui parler. Il ne pouvait pas répondre. On a appelé le docteur du régiment qui est venu. Et il a déclaré que l'arabe avait la colonne vertébrale cassée. Et qu'il n'avait que pour quelques minutes à vivre. Alors on l'a installé sur un lit de camp. On lui a donné à manger et à boire. Et on est restés tous autour de lui. J'ai vu des camarades à moi qui ont fait ça spontanément. C'est-à-dire que ce n'était pas sur commande. Lui ont offert des cigarettes, lui ont allumé sa cigarette, etc. Et puis ils sont restés avec lui à discuter gentiment. On lui a posé des questions. Il a dit qu'il était un paysan de la Haute-Égypte, qu'on l'avait pris un beau jour, qu'on l'avait mis dans l'armée. Et puis il se trouvait là aujourd'hui, en train de mourir, sans savoir exactement pourquoi il était en train de mourir. Il n'était pas capable d'expliquer pourquoi il était en train de mourir, mais enfin, c'était un fait qu'il mourrait pas pour Nasser. Il ne mourrait pas pour Nasser, il mourrait pour rien du tout, pour de la connerie comme ça. Il était en train de mourir, et puis nous, on était en train de le regarder mourir en attendant de continuer l'attaque, parce qu'on se battait un peu plus loin, et on attendait de pouvoir passer. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là, Mordecai? Mais j'ai trouvé que c'était une vaste farce, une farce immense, qu'on soit forcé de se battre contre des gens qui ne savaient même pas pourquoi ils se battaient. Amen.
אין אוי סטוי, ולאים משמיים משקי, ועל בני אודום לירוי סייש מסקיל. דוי רש אס אלוהים, כי לא יסוג יחדו, בני לא יוכי אין אוי סטוי, ואין גם אחד. על יו דיפוי על אובן אור לעמי, אוכלי לחם, אלוהים לא יגרור.